effectivement. Alors sachez qu'aujourd'hui, on n'est pas mardi gras. Je suis prêt, Ali. On est mercredi des cendres. Je suis prêt, Ali. Les cendres, c'est la fin. Oh là là. Aussi rapide. Ah bah bien sûr. J'ai quand même plus d'allure. Bonjour à tous. Bonjour Ali. Aujourd'hui, nous parlerons de la Saint-Valentin. Très beau déguisement. Oh, merci beaucoup, Ali. Merci. Le jour de la Saint-Valentin est considéré comme la fête des amoureux. Les couples échangent des mots doux, des cadeaux, des roses rouges et autres preuves d'amour. Et alors, comme vous êtes en quelque sorte mes référents affectifs, voici... Attendez, elle est tombée, elle est là. Voici une rose pour Ali. Merci. Voilà. Merci. Un mot doux pour Émilie, voilà, voilà. Un cadeau pour Thomas, voilà. Bah Thomas, attendez, c'est la moindre des choses. Une preuve d'amour pour Ariel, je t'aime Ariel. Merci. Voilà. Pour Nicolas, bonjour Nicolas. Bonjour. J'ai complètement oublié Nicolas. Pour Nicolas, une crêpe pralinée mousse de canard. Merci. Voilà. Je l'accepte. Avec le cœur. Elle a l'air atroce. Et pour Ophélie. Ah ouais. Stop, 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 stop. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas ce qu'il m'a, pardon. Vous savez ce que c'est, on est chez soi, on écrit une chronique, on se dit « Ah, je vais faire un striptease pour Ophélie !» Et en fait, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai hésité entre les deux chroniques. La première était très très bien. Bonjour à tous, bonjour Ali. Aujourd'hui, nous parlerons de Mardi Gras. Voilà.